tous les Prudeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va tester le Gohan du film Dragon Ball Super Super Hero. Le voici en question, voici un rappel de son kit. Il dit 30% pour la catégorie lien maître et disciple. L'augmente son attaque de 50% quand il part en spé pendant un tour. Attaque à plus 100%, plus encore 20% de stat au début de chaque tour, ça monte jusqu'à 58%. Coup critique garanti. Et lance une attaque supplémentaire qui a 50% de chance d'être une attaque spé. Par contre, malheureusement, c'est une seule fois seulement. Ensuite, attaque à plus 20% pour chaque attaque réalisée. Plus encore, attaque à plus 20% pour chaque attaque spé réalisée. Donc, si on part en spé, on gagne deux fois attaque à plus 20%, si j'ai bien compris. Mais du coup, on va le tester. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On va le tester dans une méta... pas 400% parce qu'il ne rentre pas dans les différentes méta 400%. Mais, il rentre dans la méta 160 180 x 2. Avec le ZLR Goku, le voici. Alors, normalement, voilà. Lui, il est ZLR. Et l'autre aussi est ZLR. Donc voilà. Alors, en termes de rotation, on va faire les deux ensemble. Malheureusement, elles ne sont pas côte à côte. Donc, on va le mettre là. Non, on va le mettre de l'autre côté. Voilà. Donc, méta 360%. C'est pas mal. Bah, c'est la deuxième méta la plus élevée proposée par le jeu. La première méta. Enfin, jusqu'à présent, on avait une méta à 150% x 2. De temps en temps, on avait 110%. Et puis là, le ZLR Goku. SSJ4 propose 180%, donc x2 ça nous fait 360, et donc voilà, 3 700 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va le mettre dans la rotation avec le Great Saiyan Free to Play. Ils ont Ki plus 1 et Attaque plus 10% en commun, voilà, deux liens en commun. Le ZTR Great Saiyaman, pas mal. Donc là, j'ai un support. J'ai un support qui donne 40% de stats pour la famille de Goku. Donc pour l'instant, on va le garder comme ça. En termes de def, on est à combien? 80 000. Ok, c'est peut-être un peu fragile. Mais voilà, il gagne des stats quand il part en spé. On voit ce que ça donne. Donc normalement, il devrait gagner deux fois 20%. 935 000, ok. Malheureusement, le coup critique au début, en fait, c'est pas ouf en vrai, parce qu'il n'a pas le temps de stacker. Donc c'est dommage qu'il ait le coup critique au début, parce que ça ne sert à rien. C'est pas à ce moment-là qu'il est au summum de ses compétences. Alors là, on a le choix, hein. Là, on a le choix. Ne pas partir en spé, là, ça me paraît compliqué, hein. Voilà, là c'est mieux. Bon, comme d'habitude les amis, pour soutenir la chaîne, hein, vous savez ce qu'il faut faire, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description et puis si ça vous intéresse, il y a pas mal de gens en promo sur le site Instant Jamming qui se trouve dans la description. Donc si ça vous intéresse de faire des économies en achetant vos jeux, bah, achetez vos jeux sur le site Instant Gaming et puis à chaque fois vous faites un achat. En passant par le lien, vous soutenez la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce geste quotidiennement. Je vois que vous êtes pas mal à acheter le jeu d'horreur, ça fait plaisir. Du coup, je vais peut-être le faire aussi. The Carry. The Carry avec ses plus de 100 fins différentes. Donc, je vous le proposerai en fin de semaine. Un petit live d'horreur, voilà, ça fait longtemps. Mais bon, moi, les jeux d'horreur, c'est pas mon kiff. Parce que en général, tu sais, c'est le jeu où t'as plusieurs choix et à la fin... Enfin, quand tu fais des mauvais choix, bah t'as des personnages qui meurent, voilà. J'en ai tué des gens, comme ça. Bon, alors, deuxième apparition... Ah, 133 000, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc là, on a toujours le support. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, bon, c'était un peu faussé, j'avais un support avec moi, mais... donc, il tape un peu moins. Enfin, il y a moins de def aussi. Donc là, on est déjà monté à 2 millions. Donc en fait, pour que je sois full stack, il faudrait que je lance 58%, donc c'est 3 fois. Donc 3 tours, je ferai full stack partout. Donc voilà. Sachant qu'il est juste SSR.
est juste nécessaire. Sachant également qu'il gagne 50% d'attaque quand il part en spé. Seulement pendant un tour. Ah, on a le fameux. Le fameux. Active skill qu'on va pas utiliser ici. On va faire ça. Non, la famille de Goku, elle a pris un bon petit hop là avec le ZDR Goku. Pour l'instant, c'est la deuxième étape la plus élevée, hein, que j'ai dit tout à l'heure, 400%. C'est la plus élevée, puis ensuite, en dessous, c'est 360%. Et ensuite, c'est 340%. Donc malheureusement, le Goku, enfin le Gohan Contest, là, du film Super Hero, il aurait pu rentrer dans la méta 400% s'il faisait un Kamehameha. Eh ben non, ce bougre refait son vieux Masenko. Du coup, malheureusement, il rentre pas dans la méta 400%. Juste pour ça. Parce que j'aurais pu le tester dans la team. Dans la team Goku. Enfin, duo SSG God. Alors là, normalement, troisième apparition. 158 000. Ah, donc sans support, ça commence à être. Pas mal. Ça commence à être intéressant. Ça devrait le faire. 1 800 000, d'accord. Donc là, je monte jusqu'à 2 200 000 après l'attaque spé. Donc là, normalement, au prochain tour, normalement, je suis. Enfin, là, je suis full stack. Je suis full stack. Alors, il y a des rumeurs comme quoi. Il pourrait passer LR, les amis. Ça serait une dinguerie. Donc, wait and see, les amis, wait and see. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, il y a de très fortes chances qu'on ait son évolution, mais une fois que le film, est sorti, c'est-à-dire courant août, mi-août. Pour l'instant, on attend toujours la date pour l'Europe. Hein. On attend. 37 000. Non, c'est mieux comme ça. On attend toujours sagement. J'espère qu'ils vont pas trop tarder. Encore une fois, c'est pas les mêmes distributeurs pour l'Europe et pour les États-Unis. En Europe, apparemment, d'après les informations qu'on a eues, qui a été postées il y a quelques temps, c'est Sony Pictures qui est censé distribuer le film, donc on attend. Ah, Sony, si vous passez par là, lâchez la date maintenant. Lâchez la date, histoire qu'on soit. Histoire qu'on puisse déjà acheter les billets, hein, qu'on réserve notre petite projection au Grand Rex. Au Grand Rex avec le feu, hein. Aïe aïe aïe, pour ceux qui ont fait le Grand Rex quand il y avait Broly, aïe aïe aïe, c'était épuisant, les gens hurlaient leur grand mort, c'était marrant. Alors, donc là normalement, 189 000 sans support, c'est pas mal du tout en fait. C'est pas mal. C'est pas dégueu pour une carte. Oh là là, esquive. Oh, le grid Saiyaman. Ah, incroyable. Hein. 2 200 000. 2 400 000, la double SP. Pas mal du tout pour une unité SSR. Tu rends compte qu'il tape plus fort que certains TIR qui existent. Donc pas dégueu du tout. Donc là, gros potentiel. Je sais pas comment il va lui. Est-ce qu'il va passer TUR puis ZTUR ou est-ce qu'il va passer TUR puis LR? A votre avis. A votre avis, les amis. Bon, on va s'arrêter ici. Hein. C'était juste un petit showcase de ses capacités. Donc 200 000 sans support. C'est vraiment pas dégueu. En termes de défense... En termes de défense, il avait plus de. Il avait plus de 100 000, hein, plus de 150 000. Plus de 150 000. Hein. Donc voilà, les amis. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau showcase. Plus de 200, ouais, quasiment 200 000. Bientôt un nouveau showcase. Enfin, bientôt. Quand le film sortira, je pense qu'on aura les médailles pour l'éveiller.
Mais pour l'instant, il est pas mal. Son kit est pas dégueu pour une unité free to play. Les liens sont pas montés. Donc, hâte de voir comment il va évoluer. Sur ce, passez une très très bonne journée, les amis. Comme d'habitude, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Ce soir, à très bientôt. Ciao, ciao.